Bonjour, bienvenue pour ce 14e épisode d'Entre les Splits sur Shadow of the Tomb Raider, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais ouvrir le coffre, j'ai eu des soucis techniques, mais l'artefact, évidemment je l'ai reperdu, il était où? Le truc que j'ai récupéré, c'était... Au secours, c'était en dessous. C'était ça. Ces formes ressemblent à des aéronefs. Comment pourraient-elles être d'origine Inca? Ah, je vois. On dirait des insectes. L'archéologie est une science complexe. Vous devez vous projeter dans l'esprit de gens et de peuples disparus depuis des siècles. Les hommes interprètent les phénomènes qui leur semblent étranges à l'aune de ce qu'ils connaissent. Si les Incas avaient vu des avions, ils auraient peut-être cru qu'il s'agissait d'oiseaux. D'ailleurs, ces formes ne représentent peut-être pas des insectes. Certaines ressemblent plus à des poissons. Ok. Du lourd. Voilà. Très bien. Alors, on a un autre coffre qui est voilà plus loin. On va essayer de le récupérer. Et ensuite, on va aller vers la quête principale. Je crois. Peut-être. Normalement. Non, normalement, on avait dit qu'on faisait la quête principale. Donc, même s'il reste des tombeaux. Hein. C'est par là. Alors, je crois que c'est dans l'eau. De mémoire, c'est dans l'eau. Ah oui, je crois qu'on l'avait vu et qu'on n'avait pas pu ouvrir, grand désespoir. Mais maintenant on peut. Par où c'était? Pas par là. En tout cas pas par là. Descends. Par là. Pas du tout. C'était où? Ah, c'était là. Est-ce que on va se noyer? C'est possible, hein. Allez, ouvre. Est-ce que tu peux lire sous l'eau? On dirait que cette chignole bariolée a été décorée pour la cérémonie du feu nouveau, le nouvel an aztèque. Il consiste en 5 jours de jeûne, de saignée et de sacrifice. La chignole se place sur le thorax des nouveaux sacrifiés et les étincelles produites allument un grand feu de joie qui nourrira les flammes de tous les temples alentours. Celle-ci ne semble pourtant pas avoir été utilisée. Il n'y a pas de sang sur le filetage. Ok. Oui, d'accord. Parce que j'étais en train de faire demi-tour. Ouais, bah oui, je sais que c'est la merde, mais je sais pas quoi. Ah ouais, je me suis full perdu. Yes. Adieu Lara? Ça va être compliqué? Non, c'est bon. Tout va bien. Oui. Ah oui, j'ai trouvé un truc avec des secrets aussi, à un endroit. Donc il m'a indiqué un emplacement de quête. Après une longue saison sèche, les pluies arrivèrent enfin. Et les rats quittèrent leurs trous en quête de plus de nourriture, amenant avec eux la peste. Les malades saignaient des oreilles et du nez et mouraient dans d'atroces souffrances. Des cités jadis pleines de vie se retrouvèrent décimées par la maladie. J'ai mis du temps à arriver celui-là. Ok. Très bien, donc ouais, la quête elle est là-bas. Voilà, mission disponible, mais là-bas. Nous on va aller de l'autre côté, on va aller vers la quête principale. Parce qu'on a une partie de Paititi, de toute façon, j'ai l'impression qu'il nous est pas vraiment accessible. Peut-être que si, mais. Juste j'ai quoi? C'est quoi ça déjà? C'est une cage de survie? On va la noter, hein. Histoire de la récupérer au passage. C'est pas par là. Non mais. Oh! Descendre facilement, mais monter c'est l'enfer. Non, c'est bon. Ok. Donc on va remonter tranquillement. D'accord. Attendez. Hein. Ouais, non, j'ai. Soit on a tout vu à peu près ici. Normalement, on a tout vu. Jusqu'à ce qu'on retrouve un autre truc qui nous montre qu'on a rien vu en fait, mais. Bon, pour l'instant on n'y est pas.
Alors, salut. Il y avait un truc là ? Je sais pas trop. Ah. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. Bon. C'est bien par là. J'ai juste à faire ça pour voir ça, mais voilà. Salut. Je sais plus si on l'a lu ça. Ouais. Ah, je trouve un feu de camp. Il est où? Ah bah il est là, oui. La cache était là. Très bien. Cool, le feu de camp. On n'a rien à dire, on n'a rien à faire, on n'a rien à voir normalement. Ça devrait être bon. Oui, on est bon. Bon, on a une relique qui est là, mais plus tard. Salut. Enfin, plus tard, j'espère, hein, mais... Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akane. Pour l'instant, elle va bien. Comment c'est... hors de Paititi? Disons que... c'est varié. Le monde est très vaste. Plus que Paititi? Plus qu'une centaine de Paititi. C'est vrai? Tu veux bien m'emmener? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle? Fie-toi à l'odeur de mort. Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles. Ok, il m'abandonne comme ça. Bon bah salut. Allez, salut. C'est parti pour la quête principale. Yes, niveau level up. La brusque croissance démographique et le manque d'urbanisme causèrent de nombreux problèmes. Les paysans défrichèrent la jungle pour semer sur les terres fertiles près du fleuve, ce qui eut pour conséquence une terrible inondation aux premières pluies importantes. Les chasseurs devaient s'aventurer toujours plus loin pour trouver du gibier. Plusieurs groupes, qui chacun visaient à obtenir le contrôle sur le village, débattaient parfois avec virulence de la marche à suivre pour résoudre ces problèmes. Toujours plus de l'or. Toujours plus d'informations sur les rites et coutumes, les façons de faire à Paititi. Ok. Je peux utiliser mon arme. C'est bon signe. Moi j'ai envie d'aller là. Bon. Un Makwa Witi. C'est une arme formidable. Du bois lourd avec des dents tranchantes en obsidienne. De quoi arrêter net un ennemi sans armure. Ah. Il est où le Schling? Ce que semble bien confirmer la présence de sang séché. Je peux pas zoomer plus. On peut... Voilà. Yes. Profitez bien de cette arme. Voilà. Ouais, non mais... Ok. Makwa Witi. Non. Il n'y a rien d'autre ici. On peut pas grimper là. Ok. Ok. Bon, il doit y avoir des pièges dans les environs, mais... Ça se souffle pas, ça. Bon. Ok, alors... Ah là c'est quoi, c'est F? Non c'était E. C'est bon. Là je fais mash clic. Non, je clic droit. Ouais voilà.
Là, je maintiens un clic. Je sais plus s'il faut maintenir le clic ou pas. Mais... Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour les portes fermées. Oui. Je me balance. Et je me balance. Oh. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça si c'est pas prévu que je... Enfin... Non mais, descends. Non mais... Tu... Descends. Ouais, ça sert à rien. Bon. Le feu de camp. Mais Lara n'a rien à dire. On a un point de compétence. Non, ça on a dit non. Non mais on attend. On attend pour le point de compétence. On pourrait changer de tenue. Je sais plus, ça fait pas un moment qu'on n'a pas changé de tenue ou pas. Mais Ah ça c'est régénération de santé. Bon c'est entre les combats. Bon attends, attendez, on va mettre ça. Espérons, je crois. J'ai un doute. Non, c'est pas celle-là qu'on a mis. On a mis la une truc osseux, je crois. Je sais plus comment elle s'appelait. Spectre. On a mis Spectre. Voilà. Allez. On change un peu notre Lara. On pimpe Lara. Il faut entrer. Oui, mais on peut passer là. Ah non, mais... Oui, non. C'est le retour. Je vais me permettre. Hein. On dirait la révolte menée par Unuratu, avec une éclipse de soleil presque totale en arrière-plan. Quelle odeur! Ça doit être l'endroit dont parlait Edsley. Tout doux surtout, tout doux. Doucement. Comment ça? Non mais... Non. J'ai fait ce que je lui m'a dit pourtant.
Mais voilà, il faut pas que j'appuie avant, il faut vraiment que je saute. Hein. Pourquoi ça passe pas? Saloperie. Je vais y arriver. Bon, je le faisais trop tôt, je pense. Mais... Ok. Génial. J'ai pas le choix, on dirait. Ôtez-moi un doute, il faut que je sois discret. Non, c'est bon. Ou peut-être qu'il fallait pas. Hein. Désolé. Est-ce que c'est un rebelle? Mais normalement, c'est le chapeau du cul de Kukulkan, donc on a le droit, non? Il doit y avoir un accès. Bon, on va dire que c'est la fin du mode immergé. Peut-être que le mode immergé reviendra. Bon, là, il y a un truc. Ah, et ça, c'est le. Avec un œil d'argent. Ouais. Je suis sur la bonne piste. Y'a rien d'autre? D'accord, je crois voir un truc là-bas, mais non. Ok, on casse ça. Oui, il faut entrer. L'odeur est de plus en plus forte. Visiblement, il fallait bien que je le tue. Trouver la boîte d'argent d'Ischel. Jonah, j'ai trouvé un autre serpent avec un œil d'argent. Je suis sûrement pas loin. Je parle tatouage avec Ushu. Tatouage? Oui. T'as vu ceux de Nouratu, non? On peut voir un héron et une éclipse. Ça a peut-être un rapport avec la boîte d'argent. Non, je crois pas. Bon, pas qu'on faut y aller. D'accord, je me suis fait troller. Ok, on est parti pour l'énigme. C'est parti. Alors. Pendant que Jonah fait sa vie, tranquille. En espérant qu'il ne lui arrive rien à ce pauvre Jonah. Mais... on verra bien. C'est dans ces urnes qu'ils imbibent les viscères d'huile. Mmh. D'accord, donc ça sent la. Bah, ça sent l'huile quoi. Ah! Ah, est-ce qu'on me dirait pas, genre, fais une molotov, connard? Je trouve pas de bouteille. C'est vrai que j'ai des bouteilles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Parce que.
Faut que je mette le feu à ça. Pas sûr que... Parce que j'ai pas compris... Je suis pas sûr d'avoir compris ce que faisait la tête de serpent, en fait. Elle libère le feu. Elle pousse un truc. C'est pas clair. Ça... Ah, mais... Déjà, regarde ça, oui. Peut-être bien. Attention, l'énigme. Ce personnage a l'air en paix, comme s'il attendait quelque chose. Non. J'ai failli mettre un bruit, mais... Non. Ça, c'est... C'est bon. Ah mais... Salut. Salut beauté. Ouais, ça m'aide pas. Mais t'es là, toi. Toi, t'es là. Bon, attends, si je fais ça. Mais si tu sers à quelque chose... C'est plein d'huile et de sang. Ah bah oui, voilà, il faut définitivement que je fasse une molotov. Mais comment on fait déjà? Ah non, sinon je mets juste... Ah bah, bon, d'accord. Là. La barrière est baissée, je dois pas m'arrêter. Let's go. Ah ouais, oui, voilà, dois pas t'arrêter, mais un peu quand même. Qui c'est qui fait C'est un peu gênant, hein. Ce serait une sorte de réservoir de sang. Il est sympa, votre clan, Décidément. Ça me fait penser un peu à A Plague Tale, je sais pas pourquoi. Bah si, il y a le sang, le côté noir... Mais voilà. Bon, elle est où la manivelle? Ah, c'est ça la manivelle? Bon, descendons. Il faudrait des centaines de sacrifices pour réussir à remplir ces canaux de sang. T'inquiète, je pense qu'ils ont réussi. Donc là, j'ai mis le sang. Bon, on rentre pas là-dedans. Et allume le feu. Et ça va servir à rien. Ou pas. Est-ce qu'il y a un intérêt à brûler ça? Que dalle. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut réussir à couler, à faire déverser l'huile. Ah oui, ok. Donc ça se passe en deux temps. Et le feu, il faudra le mettre à la fin, je pense. Donc on a dit ça. Ah, et ensuite il y a ça. Non, non, mais continue là. Non mais... ouais. Ah oui, non mais ouais, je vois. Mais... Non mais continue. En fait, je regarde pas son mouvement à elle, du coup c'est vrai que... Voilà. Là c'est bon, non? Ah, et là, il faut que je le refasse parce que le... ça a découlé. Mais ça coule directement jusqu'en bas, en fait, du coup. Et ça, ça sert à quoi? Oh, merde. Merde. Vite. Hein? Comment ça, ça bouge pas? Pourquoi ça s'arrête reste... quand... Attendez, est-ce que ça a fait le tour là? Ah et non, c'est pas bon. Mais attendez, mais comment ça se...
Donc j'ai suivi mauvais labyrinthe. Non, que dalle. Faut que je trouve le chemin. Le chemin par lequel ça peut passer. Ouais, un truc comme ça, ça peut passer. Mais ça, ça ne veut pas bouger. Ah mais non mais... En fait, il faut le relier à celui-là. Donc il faudrait ça, mais il faut pas... Attendez. Ah, la tête de mort, il faudrait que ça rentre là-dedans. Oh, oh là là, c'est... Au secours. Faut réfléchir. Parce que là, ça marche, sinon. On va tester les différentes possibilités, hein, puis voilà. Parce qu'a priori, l'autre, on peut pas le bouger. Donc ça, ça va là, ça, c'est nul. Ça, ça va dans la tête de mort, et c'est nul. Ok, donc c'est nul. Donc cette position-là, on la veut pas. Là, je suis revenu en arrière, je crois, sur mes positions. Je sais plus, avance, avance, c'est pas grave. Voilà, on va se partir dans ce sens-là. Donc là, c'est bloqué, là, c'est bloqué. Là, ça va là. Là, ça va là. Là, ça va dans la tête de mort. La tête de mort. Pourquoi il y a 12 têtes de mort ici? Ah, mais dans tous les cas, c'est nul. Mais quel est l'intérêt? À moins ce que... C'est nul. Ah mais non, mais dans tous les cas, en plus, ça passe par celui-là. Oui, non, mais c'est bon. Ouais. Par contre, pourquoi ça coule pas? Ah oui, non, mais parce que j'ai pas tiré. Et là, si je tire... Il s'est rien passé, ici. Ouais, il s'est rien passé. Bon, observons ce qui se passe. Ah mais c'est là qu'il faut l'emmener. De toute façon, dans tous les cas, c'est nul. Mais là, ça va où? C'est rentré dans la tête d'Omour. Et ça a été aspiré dans la tête d'Omour, quoi. Super. Le problème, c'est comment je la bouge, cette... À moins ce que... Non, ça bouge pas du tout, ça. Ça bouge jamais. Ouais, non. Parce que le problème, c'est que je vois pas comment accéder à ça. Avec la pente qu'il y a ici. Donc pour moi, il faudrait que je déplace ça, sauf que je n'y arrive pas. Ce qui est problématique. Bon, est-ce que plus haut... Non, mais plus haut, il n'y a aucune raison que ça marche. Pourquoi elle refuse de bouger? Il y a un truc qui l'a fait bloquer. Mais quoi? Que dalle. Non mais continue. Ça, on avait dit c'était nul. En fait, la tête de mort, c'est game over, c'est ça? Ouais, on dit rien. Et là, ça va là. C'est fini. Tout un beau trajet pour rien. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait un tour complet.
Parce que ça, c'est nul. De toute façon, ça rentre jamais par là, ça rentre par là. C'est nul. Oui, ça, on l'a déjà vu, mais... Ok. Non, mais en fait... Ouais, alors... Alors... On va faire ça. On va faire ça. Ouais, ça a marché. Mais là, du coup, normalement, je fais bouger les deux pièces que je joue en même temps. Je sais pas si c'est... Ouais, au pire. En fait, c'est surtout celle-là que je veux faire... Ça, il faut que je fasse matcher. Et là, c'est nul. Donc, on continue. C'était dans ce sens-là. C'est un peu bruyant. Alors, là, ça va dans la tête de Moore. Donc c'est game over. Ah non, attendez. Oh non, là, c'est bon. En plus, on a le chemin et tout. C'est trop bien. Bon, bah, let's go. Let's go, ça fait que 30 minutes qu'on y est. Pas du tout. Allez, actionne ça, actionne. N'aie pas peur. Peut-être que j'attende, mais... on le saura. Ah. Non, ça va, ça attend. Reste plus qu'à trouver la boîte. Nickel. C'est le petit prince rebelle. Hetzli ! Arrêtez, vous tapez là ! Mais pardon ? Aïe ! Alors du coup, de base, j'allais dire merci aux Trinitaires, mais bah, en fait, pas merci, hein. Parce que bon, merci pour les sacrifices. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour moi, il faut que je fuis. Mais pourquoi tu... J'appuie sur avancer. Réfléchir différemment. C'est une blague. Oui, bon, oui, non, d'accord, c'était pas malin. Oh, c'est les fameuses armes. C'est les fameuses armes en obsidienne, je reconnais. Bon, ça, je reviens là. C'était pas par là non plus.
Yes. On va y arriver, hein. Mais par où? Parce que je voulais pas les taper, je voulais pas les leur faire un contact là. Ah, je peux monter là. Ouais. Tout va bien. Alors, s'il faut sauter, c'est bon. Salut Lara, si t'as le temps, reviens. Ushu a un truc à te demander. Je crois que c'est un service. Ok, je vais revenir vous voir dès que je pourrai. Yes! Bon bah voilà. Après quelques morts, et quelques péripéties, une petite chute, nous voilà repartis. On peut faire E. Je pense qu'on va avoir un petit état des lieux de Lara. Pas du tout. Elle s'en fout. Ok. Non, tout va bien finalement, tout va bien. Edsley par contre, il a été capturé là. Non? Sûrement, hein. Faut que j'aille où? La map. Mais la map, elle me dit rien. Si, la map, elle me dit là. D'accord, bon bah... Ah, la map, elle me dit rien. D'accord, Lara. Si tu veux. Eh mais attendez. Monter là-dessus là? On dirait trop qu'on peut monter. Il donne trop envie ce bâtiment. Non, on a dit qu'on voyait pas. Mais ça doit être là-bas. Peut-être parti trop bas. On est où? On n'est pas du bon côté. Attendez, hein? Mais c'est là. Au secours, je me situe pas. Mais je pourrais sûrement placer une balise en plus. Je fais l'idiot, mais bon. Le deuxième point de compétence. Ouais, je pense que c'est là. Ouais, et là, je crois qu'on a pas trop fouillé en plus ici. Parce que on était avec la reine et tout, j'osais pas. J'osais pas piller toutes ses ressources devant elle. On sait jamais quand même. Ah. On récupère ça. Ouais, c'est les plantes qu'on n'utilise jamais, parce qu'il faut appuyer sur F1, F2, F3, F12, mais... On les a au moins. Non, c'est bon. On va essayer d'explorer un petit peu, mais on va quand même remonter vers l'objectif, histoire de continuer la quête principale. Vu que j'ai pas remis la cam, je ne vais pas la remettre maintenant. Je pense que ça aurait peu de sens. On a un monolithe. Enfin, pas un monolithe, mais une gravure. Une fresque. On est arrivé. Enfant de la famine, il grandit en rebelle. Orphelin, il n'est jamais seul. Tel le soleil, il nous éclaire. Bravo. Ok. Présentation des origines d'un chef. Ok, c'est tout droit. Ah, mais j'ai un monolette. Monolette que je peux... Oh, le couteau. Oh, les ressources. Oh oui. Fais-moi plaisir. Oh, yes. Full bénéf tout ça.
Les Incas utilisaient un procédé de conservation des aliments utilisant la lyophilisation et le salage. Le charqui et le chunos sont tout simplement de la viande et des pommes de terre. Un vrai délice. C'est vrai que ça a l'air bon. Enfin, en tout cas, oui, si, ça a l'air bon. Bon, les textures sont pas parfaites, mais ça doit sûrement venir de la qualité dans laquelle j'ai mis le jeu. Non, je veux pas crafter de flèches. De toute façon, là, je peux pas raquer. Oh, le lama! Pète le lama! Non, mais pète! Voilà! C'est bon, on a le succès. Et là, monolette. Il est devant moi. Ça décrit quelque chose de proche. Une sentinelle monte la garde près de moi et de ses récoltes. Près de moi et de ses récoltes. Alors attendez, les récoltes. On en avait des récoltes là, pas loin, ouais. Faut trouver la sentinelle maintenant. En juste. Tout doit s'inquiéter pour Atsli. Je dois la prévenir qu'il a été capturé. Oui, attends, on n'est pas pressé, Lara, t'inquiète. Voilà, la sculpture. Ah, la sentinelle. Ça me sera utile. C'est quoi du monolithe trouvé? Du coup, j'ai eu quoi? Non, j'ai juste... J'ai dû avoir des ressources, j'ai pas fait gaffe, du coup. Alors, ici. Ici, il y a des gens. Bonjour. Pas vraiment, j'en ai peur. C'est possible. Bon, du coup, on pourrait continuer de péter les lamas, mais l'intérêt est un peu moindre. Tandis qu'on a un monolithe et des documents, on a plein de trucs encore. Est-ce que vraiment... Normalement, il y a un document pas loin, là. Alors. C'était pas notre truc que je voulais. Qui n'était pas un document, hein, définitivement. Mais ça marche aussi, ça me va. Sinon, on va aller voir la chef. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un gisement de jade. Là, des reliques. On est allé là? Bon, au pire, on ira la voir la prochaine fois. On n'est pas pressé, après tout. Effectivement, Lara, elle me l'a rappelé sagement. C'est quoi? C'est une rizière? Je pense. Je pense que c'est des rizières, mais je suis pas sûr. Oh là là. Oh, mais c'est mamie. C'est celle qui nous a vendu les trucs OP là. Salut, attends, j'ai des minerais de jade. Vendre. Et de l'or. Au secours. Vendre. Ouais, j'ai un peu de tissu aussi. Vas-y, tiens. Tiens, tu veux du bois? Tiens. Prends du bois. Alors, j'ai combien d'argent? Oh, j'ai que 3000. Bon, on va acheter ça, hein. Bon, j'étais pas obligé de dépenser mon argent. Il est vrai. Oh! Ah, je prends. Hein. Monolithe Mam. Yes. Ça décrit quelque chose de proche. Le plus jeune des quatre frères tourne le dos aux trois autres, rendu muet par ma présence dans sa bouche. T'as quoi ? Le plus jeune des quatre frères a tourné le dos aux autres, incapable de parler, car je me trouve dans sa bouche. Bah voilà, on a trouvé. Pas du tout.
Ces outres de cérémonie en céramique, appelées ourpou, étaient utilisées pour stocker de la bière de maïs, la chicha. Le fond était généralement conique, de façon à faciliter le versement. D'accord. Ah, il y a un truc là. J'ai fait quoi? Ah non, mais c'est le livre. C'est pas le fait que je monte. Est-ce que c'est à ça qu'ils font? Non. Hein? Il y a un délire là-bas. Mais est-ce qu'ils font référence à ça? Parce qu'il y en a combien? Il y en a 4, ouais. Ah, et c'est celle-là qui a tourné le... Parce que elle dit bonjour. Mais elle, on peut rentrer dans la bouche. Non, mais c'est elle qui tourne le dos. 100%. Ouais. Là, il y avait pas un truc, là? Ah. Ah, c'est tentant, mais attendez. Trop de trucs à faire, là. C'est terrible. La statue, on a dit. Ça me sera utile. Alors là, du coup, je récupère. Ok, oui, je récupère des matériaux. Et de l'XP. Mais, du bon loot. Alors, le saut de l'ange. Le saut de l'ange, je pense qu'on arrête. Hein. Parce qu'après, il faut remonter et tout. Voilà. Donc, finalement, on n'en avait pas raté. T'as, T'étais quand même à rien du rocher, Lara. Hein. T'étais à rien de te fondre le crâne, quand même. Hein. Bon, est-ce qu'on va devant le monolithe? On va devant le monolithe, on arrête. On arrête l'épisode, on s'arrête. Et la prochaine fois, on ira voir la reine et on lui dira « Salut, ton fils, il a été kidnappé. » Ça va, tu le vis bien? Bon, bah voilà. Et on ira l'aider, évidemment. Il est là, le monolithe. Non mais j'avais dit... Ça décrit quelque chose de proche. Bon. Les eaux sous mes pieds me protègent des eaux du ciel. Les eaux sous mes pieds? Parce que les eaux du ciel, moi, ça me pensait à la cascade. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est... Non, c'est le sous mes pieds qui me... Oui, oui, je sais, la reine, elle a peur. Ça me paraît logique, mais... Non ? Ça me paraît vachement hasardeux qu'il y ait quand même quelque chose comme ça dans, sous la cascade. Non ? J'ai appuyé sur E au pif, ça marchait. Non mais alors attendez, Hein? Ah, j'ai déjà eu le monolithe en fait, c'est ça le délire? Alors comment ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais non, parce que c'est ce monolithe là. Mais attendez, ouais mais le monolithe il m'indique cette... Alors, il m'indique cette zone, mais... J'y vois rien sous... Comment ça, sous tes pieds? Non, pas sous tes pieds, non, elles sont sur tes pieds, et sur toi, l'eau. Ça l'a pris. Bon, très bien. Ah, et là il doit y avoir, j'imagine, l'accès vers ça. J'imagine. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Shadow of the Tomb Raider. Portez-vous bien. Bye bye.